C'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans les éditions, dans le journal, sur TV Plus Madagascar. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour le journal de ce soir. Sans plus tarder, voici nos titres. De nombreux cas de bronchiolite sont soignés à l'hôpital mère-enfant d'Amboumianga en ce moment, selon le rapport du directeur exécutif de cet hôpital. Selon les informations, presque la plupart des enfants admis à l'hôpital se révèlent être atteints de bronchiolite. Le nonce apostolique à Madagascar en appelle à la réconciliation entre tous les Malagas dans ses vœux de nouvel an. Malgré que les événements politiques de l'année dernière aient suscité des tensions dans le pays, cette nouvelle année doit commencer sous le signe de la paix, a ajouté le nonce apostolique à Madagascar. La proposition de loi relative à l'application des droits des personnes handicapées n'est pas encore adoptée au niveau des parlements, selon le président de l'Association pour le redressement social des personnes handicapées à Madagascar. Parmi ces droits figure celui de voter. Le procès civil de Donald Trump pour fraude financière entre jeudi dans sa dernière ligne droite à New York. Dans la ville où il s'est fait un nom, sa réputation reste intacte. Tout de suite, les détails d'information. Le nonce apostolique à Madagascar en appelle à la réconciliation entre tous les Malagasy dans ses vœux de nouvel an, malgré que les événements politiques de l'année dernière aient suscité des tensions dans le pays. Cette nouvelle année doit commencer sous le signe de la paix, a ajouté le nonce apostolique à Madagascar. L'Église catholique malagasy célèbre cette année le 5e anniversaire de la visite apostolique du pape François à Madagascar, mais aussi le 35e anniversaire de la visite apostolique du pape Jean-Paul II. Une célébration est prévue à l'Annonciature le 10 mai prochain. Gracia, Anjetitouirte, Ifrasata. Commencer cette nouvelle année sous le signe de la paix, c'est globalement le message que le nonce apostolique à Madagascar a tenu à faire passer aux Malagasy dans ses vœux du nouvel an. Pour cet homme d'église, représentant du pape sur la grande île, il est temps de laisser les querelles d'hier dans le passé et de se réconcilier. Le message de ce diplomate s'adresse aussi bien aux responsables politiques qu'à la population, d'autant plus que cette année est une année de jubilé. L'année dernière, nous avons eu un peu de tension à cause des événements politiques, mais cette année, il faut la commencer sous le signe de la paix. C'est en fait le message central de Noël, la paix. Nous devons être capables de nous réconcilier, de vivre ensemble, de revenir au principe des Fiavanana, ce principe dont Madagascar peut être fier et qu'il faut quand même mettre en pratique. Je vous souhaite que cette année soit l'année de paix, de la collaboration, de la confiance mutuelle qu'il faut évidemment retrouver dans la nation. Cette année, l'Église catholique à Madagascar célébrera non seulement le 5e anniversaire de la visite papale du pape François dans la Grande Île, mais également le 35e anniversaire de la visite de Saint Jean-Paul II à Madagascar. D'après le nonce apostolique à Madagascar, une célébration de ces deux événements se tiendra le 10 mai prochain à l'Annonciature. Outre ces deux célébrations nationales, le nonce a aussi fait part du début de l'année de prière pour se préparer au jubilé de l'Église catholique en 2025. Pour ce grand jubilé, qui se tient tous les 25 ans, des millions de pèlerins sont attendus à Rome. Le jubilé, c'est le temps de la réconciliation pour expérimenter le don du pardon et de la miséricorde, et on veut le montrer aux autres. C'est mon vœu pour cette année, avec ce souhait de bonne année, conclut le prélat. Question politique. Même si le gouvernement n'a pas encore annoncé les dates exactes des élections législatives ni celles des communales de cette année 2024, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a déjà confirmé la tenue de ces élections pour cette année. Les législatives doivent être organisées avant les communales, d'après les députés. Par contre, ils disent être prêts à participer aux législatives si ces dernières sont anticipées. Jusqu'à maintenant, ce sont les communales qui sont prévues avoir lieu avant les législatives, selon le calendrier de la CENI. Sarah Barton. La caution devant être payée par les candidats aux législatives de cette année n'a pas encore été déterminée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. En 2019,
Les candidats au poste de député devaient s'acquitter d'une caution équivalente à 10% du montant de la caution que devaient payer les candidats à la présidentielle de 2018. Si on prend le cas de la dernière élection présidentielle, la caution était de 200 millions d'ariary, donc la caution des candidats aux législatives devra être de 20 millions d'ariary. La plupart des candidats aux élections législatives de cette année sont des opérateurs économiques et des personnalités disposant de moyens financiers conséquents. L'opinion publique se demande actuellement pourquoi les opérateurs économiques éprouvent-ils un tel engouement pour le poste de député. La CENI n'a encore communiqué aucune date exacte, mais elle a confirmé que les communales auront lieu au mois de mars et les législatives au mois de mai de cette année 2024. Les députés ont, quant à eux, tenu à rappeler que les communales doivent se tenir avant les législatives. Le mandat des maires ayant expiré hier mercredi 10 janvier 2024, leurs postes sont actuellement vacants. Le gouvernement sera chargé de la publication des dates précises des législatives et des communales qui se tiendront cette année. La proposition de loi relative à l'application des droits des personnes handicapées n'a pas encore été adoptée par les parlements, selon le président de l'Association pour le redressement social des personnes handicapées à Madagascar. Parmi ces droits figure celui de voter. La situation des personnes handicapées devrait être améliorée davantage, malgré les efforts déjà fournis par la CENI, qui ont permis à une partie des malvoyants de participer à la dernière élection présidentielle. Le président de cette association renforce également la sensibilisation à l'endroit des personnes handicapées pour qu'elles viennent s'inscrire sur la liste électorale et ne se montrent pas réticentes à aller aux urnes lors des prochaines élections. Anne-Charles Alarsou et Marcelin Rangebovonti. Comme tous les citoyens en âge de voter, les personnes en situation d'handicap ont le droit d'aller aux urnes et de participer au développement du pays, selon le président de l'Association pour le redressement social des personnes handicapées ce jour. Mais à cause de la marginalisation dont bon nombre d'entre elles sont victimes, aussi bien au sein de la société que dans le monde professionnel, les personnes handicapées ont tendance à se replier sur elles-mêmes ou encore à choisir la mendicité comme gagne-pain. Le cadre juridique du pays n'améliore pas non plus la situation des personnes handicapées. En effet, la proposition de loi relative à la protection de leurs droits n'est pas encore passé devant les parlements et attend son adoption malgré son élaboration déjà effectuée en 2020, d'après toujours le président de cette association. Parmi les articles de cette proposition de loi figure celui relatif au droit d'accès pour les personnes handicapées à une prise en charge sanitaire et scolaire gratuite. Comme tout citoyen majeur, ces personnes ont également le droit de voter. Ainsi, leur participation au vote et leur accès au bureau devraient être facilités. Notons qu'une partie des malvoyants avait déjà bénéficié de dispositions particulières lors de la dernière élection présidentielle. En effet, le projet pilote lancé par la CENI a aidé ses électeurs malvoyants à prendre part au scrutin, notamment par l'utilisation des cartons de vote en braille. L'accessibilité des personnes handicapées à tous leurs droits nécessite d'être améliorée. Mais pour bénéficier de ces droits, les personnes handicapées devraient également faire preuve de volonté à contribuer au développement du pays, ne serait-ce que par leur participation aux élections. C'est pour cette optique que cette association a renforcé la sensibilisation à l'endroit des personnes handicapées pour les convaincre à venir s'inscrire sur la liste électorale auprès de leurs fauctanes respectifs et ce, dès maintenant. Un gap entre 60 à 70 000 mètres cubes par jour est enregistré actuellement en termes d'approvisionnement en eau à Antananarivo. D'après la Djirama, la période d'étiage actuelle ne fait qu'accentuer le problème de la vétusté des réseaux existants. Plusieurs mesures ont déjà été prises afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en eau. Pourtant, ce vendredi 12 janvier, des perturbations inhabituelles seront observées dans plusieurs quartiers de la capitale, dans la mesure où le réseau d'alimentation de la station de pompage de Manjseza va faire l'objet de travaux d'entretien, d'après les explications. Le besoin journalier en eau de la ville d'Antananarivo s'élève à 300 000 mètres cubes, un besoin qui ne cesse d'augmenter avec l'extension de la ville et par conséquent également celle du réseau d'approvisionnement. Aussi, à cause de cette demande croissante, un gap journalier
allant jusqu'à 70 000 mètres cubes est notée. En effet, la Jarama n'arrive pas à honorer la demande, surtout pendant la période d'étiage, raison pour laquelle de nombreux quartiers souffrent de problèmes d'approvisionnement en eau. Certains quartiers, notamment ceux qui se trouvent en hauteur, sont beaucoup plus affectés par ce problème d'accès à l'eau que d'autres, reconnaît la Jarama. À part la période d'étiage, qui a commencé tôt l'année dernière, le problème de la vétusté des réseaux accentue les failles en matière d'approvisionnement en eau des abonnés. Toutefois, la Jarama a mentionné que des mesures ont déjà été prises afin d'atténuer les impacts de ces problèmes d'approvisionnement. Aussi, certains réseaux de distribution ont déjà commencé à faire l'objet de travaux d'entretien. Plusieurs kilomètres de canalisation ont déjà été remplacés. À part cela, l'approvisionnement en eau par le biais des châteaux d'eau mobiles a été renforcé. De nombreux quartiers de la capitale, ainsi que ceux des communes périphériques, bénéficient déjà de cette mesure, d'après toujours les explications. La Jarama a annoncé que des projets à long terme, prévoyant notamment la construction de nouvelles stations de pompage financées par l'Union européenne, la Jarama a tenu à préciser que les travaux d'entretien sur le réseau d'alimentation de la station de pompage de Manchsees en sont la cause. Une baisse de pression ou encore une coupure momentanée de l'approvisionnement en eau pourront être observées pendant la journée de ce vendredi. Une fois les travaux achevés, l'approvisionnement sera rétabli d'après toujours les explications. Dans le domaine de la santé, de nombreux cas de bronchiolite sont soignés à l'hôpital mère-enfant en Bouimiange en ce moment, selon le rapport du directeur exécutif de cet hôpital. Selon les informations, presque la plupart des enfants admis à l'hôpital se révèlent être atteints de bronchiolite. Cependant, les équipements tels que les concentrateurs d'oxygène ne suffisent pas pour pouvoir prendre en charge tous les patients, raison pour laquelle l'hôpital mère-enfant en Bouimiange a été doté de concentrateurs d'oxygène, a déclaré la députée Lan Toura Koutmang. Le laboratoire, qui a été victime d'un incendie en mois de mai dernier, a également fait l'objet d'une réhabilitation. Sibella Ranjamazav. Selon les médecins, le climat actuel favorise l'épidémie de bronchiolite qui sévit actuellement. La plupart des enfants qui viennent se faire soigner à l'hôpital mère-enfant, ici en Bouimiange, souffrent tous de bronchiolite ou de troubles respiratoires. Selon les chiffres, 80% des patients qui sont pris en charge actuellement en sont atteints. Même si certains patients de cet hôpital d'Mbouimiange peuvent présenter la forme grave de la maladie, donc ont besoin d'une intervention chirurgicale, les opérations ne peuvent être effectuées sur place. Afin de pouvoir prendre en charge ces patients, une collaboration avec la branche médicale du bataillon du projet La Santé pour tous a été mise en place, a déclaré Lan Toura Koutmang, députée élue dans le deuxième arrondissement. Le laboratoire qui a subi un incident en mai dernier a aussi été réhabilité. Par ailleurs, le directeur exécutif de l'hôpital lance un appel pour l'amélioration des équipements et des matériels pour que l'hôpital mère-enfant d'Mbouimiange puisse être aux normes. En effet, la direction de l'hôpital a confirmé que le matériel manquait, empêchant la modernisation du laboratoire, entre autres. C'est pourquoi elle a profité de la visite effectuée par la députée Lan Toura Koutmang à l'hôpital mère-enfant Mbouimiange aujourd'hui pour lancer un appel aux dirigeants et à ses partenaires pour qu'ils œuvrent dans ce sens. En Amérique du Nord, aux États-Unis, le procès civil de Donald Trump pour fraude financière entre jeudi dans sa dernière ligne droite à New York. Dans la ville où il s'est fait un nom, sa réputation reste intacte. Reportage de France 24. John ont vécu dans un de ses appartements dans les années 70. À l'époque, ces immeubles appartenaient au père de Donald Trump. Appartement 6E, 265 Mill Road. Il se promenait dans le quartier. Il venait ici et il surprenait les gens. Il est grand, très grand. Désormais, le couple vit de l'autre côté de la rue, dans cette maison. Et ils affichent fièrement leur couleur politique. Joe Biden devrait être dans une maison de retraite et Donald Trump à la Maison Blanche. Les retraites ont été détruites, les prix ont doublé, les gens ne peuvent plus devenir propriétaires. Pour ce couple, les procès de Donald Trump font de lui une victime d'une chasse aux sorcières. Ils ont tellement peur de lui qu'ils le veulent en dehors de New York. C'est ridicule. Au centre commercial, le discours est le même.
Je pense qu'il est totalement innocent. Ils veulent juste l'attraper. C'est une grande ville pro-Trump. Tout le monde veut qu'il revienne ici. Ils veulent que l'économie soit meilleure. Il a fait beaucoup pour le pays. Il a protégé nos frontières. Maintenant, nous sommes envahis de gens. On ne peut pas payer pour eux. Ce professeur de sciences politiques explique pourquoi 60% des habitants de Staten Island soutiennent l'ancien président. Le quartier de Staten Island est une exception dans la ville de New York. Les habitants votent la plupart du temps républicains. Ils sont particulièrement attachés à Trump parce que c'est un conservateur populiste. Il concentre ses attaques principalement sur les immigrants et les autres sujets qui ont tendance à énerver la classe ouvrière, la classe moyenne et les votants blancs. Même s'il est condamné et qu'il va en prison, il continuerait à voter pour lui. Pour ce professeur, Staten Island est un meilleur baromètre pour prendre le pouls du pays que le reste de New York. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Je vous invite déjà à suivre le journal en version malgache à 19h30. À tout de suite.